Adem, c'était un match de bonhomme, comme on dit, un match très difficile dans des conditions qu'il était tout autant. Comment ça s'est passé sur le terrain en tant que joueur ? Ouais, d'abord, je félicite tout le groupe et tout le staff. Et merci pour les joueurs aussi qui étaient très bien dans le match. On a confirmé avant qu'on est des bons joueurs, mais aujourd'hui on a aussi confirmé qu'on a des guerriers dans ce club. Et comme vous avez dit, c'est un match de bonhomme. Le terrain n'est pas confortable pour jouer notre football, mais on a pu gérer le match, on a gagné des duels et on a marqué à la fin du match. Ce but, il est mérité, Adem. Charleroi avait déjà eu plusieurs grosses possibilités. Est-ce que ça n'a pas trotté dans la tête au fil du match en voyant que ce ballon ne voulait pas franchir la ligne ? Oui, bien sûr. On a eu deux ou trois occasions en première mi-temps et on a marqué un but sur un hors-jeu. Je pense que c'était juste un peu. Mais le coach nous a dit avant le match que faut attendre jusqu'à la dernière minute. Comme le match de Open, à la 75e minute, on était 0-0, mais on a fini le match avec 3-0. Tout ça, ça joue sur la concentration des joueurs sur le terrain. Et voilà, on a marqué à la 80e minute, je pense. Oui, on a marqué à la 80e minute et c'est un but mérité. Tu fais partie des joueurs techniques de cette équipe et pourtant tu as senti très à l'aise tout le match. Est-ce que tu as un secret sur la neige ? Non. Pour moi, c'est la première fois que je joue sur la neige. Mais je félicite tout le groupe parce que c'est le groupe qui m'a aidé pour jouer comme ça, pour être un peu à l'aise par rapport à l'adversaire.